Hey, Matelot ici, Défroyé aujourd'hui. Je vous propose de suivre un tutoriel pour réaliser la maison que vous avez derrière moi. Alors, une maison moderne qui a la particularité, comme vous pouvez le voir, d'être surélevée, voyez-vous, avec une terrasse en dessous de la partie de la maison, on va dire. Ainsi que d'être soutenue par un aquarium géant que vous pouvez voir ici, du coup, qui se prolonge tout jusqu'au travers de la maison pour aller même au-dessus du toit. Et donc voilà, ça donne un petit côté intéressant à la maison d'un point de vue architectural, on va dire. Donc voilà ce que ça donne hein, de l'arrière avec une terrasse sur le toit aussi, parce que pourquoi pas. Et voilà un petit peu l'idée. Ok, on va faire peut-être un petit tour au niveau des terrasses à l'intérieur. Voilà, petit escalier pour rentrer, hop, directement au premier étage. Hop. Et à l'intérieur de la maison, on voit aussi l'aquarium, bien évidemment. Normalement il y a des tortues, j'avais mis des tortues à l'intérieur de cet aquarium là, mais visiblement elles sont en grève, donc bon, on les verra tout à l'heure. Hop, et dans la partie en pierre ici, évidemment, ce sont les escaliers. Voilà, les escaliers qui permettent de monter au premier et deuxième étage, ainsi que le deuxième étage en ayant accès à la terrasse ici. Et au petit jacuzzi, on pourrait mettre des trucs pour faire des bulletins d'ailleurs, mais bon. Hop, donc voilà, si jamais cette maison-là vous intéresse, je vous invite à aller regarder le tutoriel qui va suivre. Ok, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de regarder le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser la maison. Hop, ici donc corail rouge et jaune, voilà, hop, pierre et bois, etc, etc. Ok, donc une fois qu'on a ça, hop, je vais vous inviter à venir prendre les blocs de cobblestone pour commencer, ainsi que les blocs de quartz. Hop, voilà, les blocs de quartz lisses. Et on va pouvoir commencer tout ça. Donc, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va placer la grande partie en pierre à ce niveau-là. Ça va nous permettre de structurer tout le reste. Hop, donc on va commencer ici, mettons. Donc on va faire un bloc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de long. Ok. On va venir sur le côté et on va mettre 20 blocs en longueur. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop, et on finit le rectangle. Yep. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va venir monter ce rectangle là à 20 blocs de hauteur. On a déjà notre premier bloc ici, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 blocs, ok. Donc voilà, l'idée c'est qu'on va monter tous ces murs là jusqu'à ces 20 blocs de hauteur. Ok, une fois qu'on a monté nos murs à 20 blocs de hauteur, il vous faut du coup boucher le toit aussi à ce niveau là bien sûr hein. Hop, allez, on fait ça. Hop, et donc du coup, une fois qu'on a fait ça, sur le devant de notre pavé ici, finalement on va faire un trou. Hop, on va laisser deux blocs de chaque côté ici comme ça par rapport au mur hein. Et on va creuser un énorme trou à l'intérieur de la façade qui va en fait nous servir de grande fenêtre finalement. Ok, on va laisser aussi deux blocs par rapport au haut du mur jusque ici, là, voilà. Et une fois qu'on aura fait ça, finalement, on va pouvoir directement mettre le reste de la structure. On va utiliser les blocs de quartz, en fait. Et on va venir ici par rapport au bord de notre partie en pierre. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs sur le côté. Et à partir du sixième bloc, on met notre premier bloc ici, comme ça. De quartz. Ok, une fois qu'on a ça, maintenant du coup on va mettre sur 32 blocs de longueur de quartz ici comme ça au total. Donc là je sais pas trop combien j'en ai mis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Attention. Hop. On se met sur le côté et on prolonge ça comme ça sur le côté. Jusqu'à un nombre de blocs. D'ailleurs, je ne sais pas exactement. On va reprendre la même hauteur ici. On va aller sur l'arrière de notre maison. On va compter 1, 2, 3 blocs ici comme ça. Et à partir de ce bloc-là, on en met 3 ici comme ça. Ok. On va vers l'arrière et normalement on rejoint la partie qu'on est en train de faire ici, vous voyez, pile poil. Magnifique. Donc une fois que l'on a ça, on va directement délimiter la forme de l'aquarium qui va être au travers de la maison là-bas, vous voyez, comme ça au moins on aura la structure. Donc on va venir prendre les blocs de verre bleu clair, ok, et on va compter par rapport au bord. Ici en face de notre maison, on va prendre le bord ici comme ça et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et à partir du 8ème bloc on en enlève sur donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de large, ok, et on va faire un trou, un emplacement plutôt devrais-je dire avec les blocs de quartz. On va venir faire l'arrière ici, vers l'arrière devrais-je dire, et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Hop, pareil ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on les rejoint les deux. Et normalement, là, ça va être notre creux pour pouvoir mettre l'aquarium. On va directement, hop, mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. Ici, comme ça, en longueur. Hop. Et faire ça comme ça. Vous voyez, donc ça doit dépasser de 2 blocs depuis le... dépasser de 2 blocs de la maison, hein, vous voyez. Ici, là, comme ça, on est bel et bien à 2 blocs. Ok. L'idée, c'est qu'on va faire la même chose. Alors, à 4 blocs de hauteur en plus. C'est-à-dire qu'on va venir ici, on va compter 1, 2, 3, 4. Et à partir du 5ème bloc, on refait la même chose, en fait, que ce qu'on a fait en dessous. Avec les blocs de quartz. Hop. Hop. Yep. Enfin bref, on fait la même chose. Et après évidemment on remplira de blocs de quartz sur toute la surface. Pas parce que sinon on peut pas marcher dessus, ça serait quand même un petit peu dommage. Donc voilà, on va rembourcher, on va boucher tout ça. Hop. Ok, maintenant qu'on a ça, vous voyez que la structure de la maison se dessine quand même particulièrement bien maintenant. Ce que l'on va faire, c'est vraiment l'aquarium en fait, comme ça au moins ça sera fait. Donc, on va venir avec notre bloc bleu quasiment jusqu'à un bloc au-dessus du sol, ici vous voyez comme ça. Et on va venir, hop, mettre du verre comme ça, tout sur les parois. Hop. Hop. Allez, vas-y, voilà, très bien. Et on va faire en mettre, on va en fait mettre, si j'arrive à bien m'exprimer, du sable en fait à l'intérieur de notre aquarium, comme ça. Yup, je vais essayer de sortir quand même. Ok, donc on bouche ici, et ce qu'on va mettre tout autour ici, vous voyez, juste en dessous des blocs de vitre, c'est des escaliers en cobblestone. Hop, si j'arrive à les trouver, ok. Voilà, et on va faire des escaliers comme ça. Hop, ici sur toute la longueur de notre aquarium. Ok, très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les murs en vitre comme ça jusqu'à 3 blocs au-dessus du plafond pour que ça ressorte et comme ça, ça ressort, quoi, tu vois, voilà. Hop, donc 1, 2, 3 blocs, ok, donc on va venir vraiment mettre tous les murs jusqu'à cette hauteur-là. Hop, allez, c'est parti. Ok, une fois qu'on a ça, normalement ce qu'on va faire, c'est les décorations à l'intérieur de l'aquarium, bien évidemment. Le problème, c'est que, comme vous le savez, on va mettre du corail à l'intérieur de l'aquarium, parce que c'est plus joli. Le truc, c'est que le corail dessèche s'il est à l'air libre, et donc du coup, c'est pas terrible. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va mettre de l'eau d'abord, et on mettra le corail après. Parce qu'on peut pas faire autrement, en fait, tout simplement, sinon le corail meurt. Ok, donc, on va utiliser...
Hop. Voilà, de l'eau. Et on va les mettre au niveau de chaque... Hop, comme ça. Chaque couche. Enfin bref, on remplit d'eau, quoi. Ok, une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est que l'on va venir utiliser... Hop, les blocs de corail. Et voilà. Et on les met à l'intérieur de... Hop, l'aquarium, ici, comme ça. Voilà, on va essayer de faire un truc plus ou moins correct. Voilà, on peut pas en mettre énormément des blocs de coraux, parce que sinon ça va faire too much. Mais voilà, on va essayer de faire... hop. Voilà, quelque chose comme ça, peut-être. Et évidemment, l'idée, c'est qu'on va pouvoir aussi rajouter quelques petits tubes de corail. Donc, je sais pas comment on appelle ça en français, mais vous voyez à quoi ça ressemble, là, du coup, des coraux comme ça, quoi. De la scie grasse, bon, ça, c'est autre chose. Donc, de la des cornes de corail, ça s'appelle, apparemment. Et on en met du jaune sur le corail rouge pour que ça ressorte, voyez-vous. Et on pourrait mettre aussi du rouge sur le corail jaune, du coup, pour la dualité. Mais en fait, l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du corail bleu. Alors, pas sur le dessus comme ça, mais voilà, ici, par exemple. Hop. Et sur le jaune, on va mettre du corail bleu comme ça, parce que ça ressort mieux au niveau des couleurs, ça passe plutôt bien. Hop, la petite astuce, d'ailleurs, aussi, c'est qu'on va laisser les blocs qui sont en plat, comme ça. Et on va juste mettre du corail comme ça sur les parties latérales des blocs. Vous allez comprendre juste après pourquoi. Parce qu'on va utiliser une petite propriété du sea pickles. Donc en français, ça doit être les cornichons de mer ou les concombres de mer, quelque chose comme ça. Et on va les mettre comme ça aussi sur les coraux. Parce que ils font de la lumière, ces trucs-là. Oui, alors me demandez pas la logique, mais ça fait de la lumière et c'est particulièrement sympathique. Parce que du coup, comme ça, vous allez avoir votre... aquarium qui va être illuminé, mais ça va aussi vous servir d'éclairage à la fois d'intérieur et d'extérieur de la maison, parce que comme ça l'aquarium il est à cheval entre les deux, et du coup bah, c'est particulièrement pratique. Donc voilà, on va mettre plein de cornichons ou de concombres de mer, je sais pas comment on appelle ça, et on va essayer de les camoufler le mieux possible avec justement hop les coraux comme ça. Voilà, de sorte que en fait ça passe plutôt bien. Du coup le reste, on va utiliser de la bonne mille, de la poudre d'os, et on va venir le mettre sur le sol comme ça. J'avais essayé en fait d'utiliser aussi, vous savez, les blocs qui font des bulles, de la soul sand ou du sable des âmes ou du magma bloc, mais les bulles ne se voient pas au travers des vitres, et donc du coup bah, c'est un problème. Et je les mets pas. Hop, on va reboucher, du coup on va enlever ça. On va reboucher du coup notre aquarium sur la dernier bloc en hauteur. Ah oui, petite autre chose effectivement. On va utiliser, alors attends, hop, des œufs de tortue, pourquoi pas. On va mettre des tortues dans notre aquarium. Hop. Hop, d'ailleurs pour la bonne vieille blague, vous savez pourquoi tortue jamais les ninjas? Parce que sinon ça fait tortue ninja. Ah oui, on se marre, hein, c'est un truc de ouf. Donc du coup, visiblement il y en a un qui est... Donc voilà, donc ils ont l'air contents. Faut pas en mettre trop non plus. Hop. Voilà. Et il y a une tortue qui est prisonnière dans la vitre. Attends, comment t'as réussi à te mettre ici, toi? Attends, est-ce que je peux te pousser? Elle va passer au travers de la vitre. Attends. Ouais, alors du coup, bon, bah, je vais en mettre une autre, hein. Alors, paf, voilà. Comme ça, elle va pas se prisonner dans les vitres. Ça pourrait être... Bon, bref. Du coup, aujourd'hui, maintenant, du coup, ce qu'on va faire là, maintenant, tout de suite, c'est que l'on va mettre en place les murs, bien sûr. Les murs qu'on va mettre, du coup, en bloc de bois de sapin. Hop. Hop, ici, comme ça. On va aussi faire une encoche à l'intérieur de notre... donc, de 4 blocs, ici, comme ça. Ok. On va venir faire une encoche, du coup, dans notre partie... à ce niveau-là, ici, ok. Donc de 1, 2, 3 blocs de large sur 2, 3, 4 blocs de profondeur, comme ça. Ok. On va venir mettre nos murs en bois, ici, comme ça.
Ok, sur 3 blocs de longueur comme ça ici, ok. Donc voilà comme ça, hein. Hop, on va de l'autre côté, du côté du coup de l'aquarium, hein, et on va mettre 3 blocs ici comme ça aussi. Je rappelle toujours la bonne petite astuce pour ceux qui sont habitués au niveau des vidéos de la chaîne, vous le savez déjà, mais évidemment on laisse un bloc de marge par rapport au bord du plafond. Ok, donc ces blocs là on les prolonge tout jusqu'au plafond du coup. Hop. Ok. Donc on va de l'autre côté de l'aquarium cette fois-ci et on va mettre un 2 blocs comme ça. Ok, très bien. On va prolonger ici et hop, sur le coin à ce niveau-là, on va prolonger le mur sur tout le côté, hop, jusqu'ici comme ça, en laissant toujours un bloc de marge par rapport au bord, bien sûr, dans tous les sens. Hop. Ok, au niveau de l'arrière, ce que l'on va faire, c'est que l'on va reprendre les mêmes dimensions que celles des murs qu'il y a devant ici. Donc dans le prolongement ici en face, hein, on met un bloc comme ça, donc on a 3 blocs ici. Et on va compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocs en plus. Donc au total on aura une ligne de 12 blocs ici pour notre mur. Et on va les monter au plafond, bien sûr comme d'habitude. Hop, paf, paf. Ok, une fois que l'on a ça, on va faire la même chose de ce côté-ci. Ici, on va faire la même chose en face. On va reprendre exactement les dimensions du mur d'en face et on va faire la même chose. Hop, ici comme ça en longueur. Donc on va avoir un mur ici de 5 blocs de long. Hop là. Et ici, sur le côté du coup, hop, juste comme ça. Ok, très bien. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre de la vitre partout, tant qu'à faire, hein, comme ça au moins, ça sera fait. On utilise du coup de la vitre plate, comme ça. Hop. Et on met, hop, au niveau de tous les trous ici, vous voyez, des vitres, hein, donc une ici, une là-bas. On remplit là-bas aussi, ici. Il y aura juste une différence sur cette partie-là, parce que du coup, il y aura la porte d'entrée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre des vitres sur le dessus, à ce niveau-là, de sorte à pouvoir laisser de la place pour une double porte. Mais ici et sur les autres fenêtres, hein, on va tout remplir en vitre, hein, bien sûr. Hop, on fait ça rapidement. Ok, une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir mettre les portes en place, hop, ici comme ça, bien sûr. Alors long, bon, là bien sûr, on est dans le vide, mais il va falloir mettre du coup un escalier qui va venir ici avec une petite petite terrasse ici et un autre escalier en biais. Ok, et pour pouvoir faire ça du coup maintenant, ce que l'on va utiliser, ce sont les cobblestones. On va venir sur le coin à ce niveau là, on va partir d'un bloc sur le côté derrière et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs ici comme ça. On va doubler la hauteur, ok, très bien. On va venir ici comme ça du coup sur le prolongement et on va venir voilà jusqu'à un bloc comme ça, voilà. Et on va venir mettre un mur qui va jusqu'au sous la maison ici. Hop, comme ça. Et ok, donc du coup, on va aussi rajouter des murs comme ça. Ok, voilà. Et à partir de là, du coup, on va utiliser les escaliers en stone. Les escaliers donc en pierre et on va les mettre comme ça. Paf, paf, aussi comme ça. On va utiliser les blocs de pierre tout simplement. Hop, on les met ici sur toute la longueur jusqu'à la maison. Ok, on reprend les escaliers en pierre et on va les mettre ici. Paf, paf, paf et paf. Et vous voyez qu'on arrive directement sur la plateforme là où je viens de la mettre. Oh, c'est merveilleux, c'est magnifique. On dirait que c'est calculé à l'avance. Tout va bien. Donc, du coup, on rajoute les escaliers, les blocs ici à côté des escaliers et on va venir prendre les dalles de cobblestone et on les met par-dessus ici pour éviter les connexions de texture. Paf, 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 pif, voilà. Hop, et voici ce que ça nous donne. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser les cobblestones, on va venir les prolonger sur le mur ici, tout jusqu'à cette partie-là, en face de l'autre partie, ici, comme ça. Ok, donc toute cette ligne-là, on va les monter jusqu'au plafond, bien sûr. Hop. Hop, etc, etc.
Et une fois que l'on a fini de mettre les murs à ce niveau-là, on va pouvoir mettre les petites portes, comme ça, de 3 blocs de hauteur. Et d'ailleurs, oui, on va faire une cage d'escalier un peu comme ça. Hop, voilà, on va camoufler un peu les escaliers, histoire que ce soit plus joli. À ce niveau-là, on va faire quand même une ouverture, parce que c'est mieux d'avoir une ouverture. Hop. Pour rejoindre à cette partie-là, quand même, de la maison, ça sera un peu mieux. Et vous voyez qu'on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ok, à ce niveau-là, là où je suis, du coup, on va faire une autre terrasse. Donc, on va venir prolonger ici le mur, mais en creusant dans le sol. On va s'arrêter au bord de l'aquarium et on va venir comme ça. Mettons qu'on laisse 3 blocs par rapport au bout du mur ici. On va compter 1, 2, 3 blocs. À partir du 4e, on creuse dans le sol. On refait une ligne comme ça. Et donc, toute cette zone-là, on va l'enlever et on va mettre des pierres à la place. Voilà. Et tant qu'à faire, aussi à l'intérieur de la maison, hein. Ok, une fois qu'on a ça, du coup, évidemment, on prolonge aussi à l'intérieur, hein, de la maison. Voilà, donc on met de la stone partout, comme ça, jusque ici, hein, vous voyez. Ok, donc, on commence à avoir quelque chose de relativement intéressant. On va mettre directement la partie pour la voiture, donc on va voir, on va prendre de l'andésite poly, ok, et on va venir mettre à l'arrière de l'aquarium ici, hop, des espèces de petits blocs comme ça directement dans le sol, hop, pour faire un peu un passage piéton, quelque chose comme ça, et puis une espèce de petite route comme ça, de 3 blocs de large, qui va venir tout jusque devant la parcelle de la maison et relié à la route normalement. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est que ici là, voilà, ça se prolonge tout jusqu'à la route et vous auriez une voiture en dessous normalement. Donc voilà, on remet de l'andésite poly partout par terre. Nous on utilise de l'andésite poly parce que sur le serveur les trottoirs sont en andésite, et donc du coup ça nous permet d'avoir une continuité entre l'intérieur de la parcelle de la maison et le trottoir. Mais évidemment vous pouvez utiliser d'autres styles de blocs. On va utiliser les portes quand même, on va faire cette porte là. Hop. Hop. Je rappelle aussi que le pack de textures est en téléchargement dans la description. C'est vrai que ça, je ne l'ai peut-être pas annoncé, mais c'est vrai que le pack de textures avec lequel je tourne ici tout simplement, vous pouvez le télécharger en description, mais il n'est pas à jour en 1.16, il est à jour en 1.15 uniquement. Ok. Maintenant, du coup, on va revenir devant notre grande fenêtre ici. Et on va creuser dans le sol, on va reprendre la cobblestone et on va venir creuser comme ça. Hop, voilà. Dans le sol, pour mettre de la cobblestone dans le sol. Hop. Hop. Voilà. On creuse ici comme ça. On va aussi peut-être changer la sous-couche aussi. On va utiliser des blocs de stone. Et ça va nous faire un espèce de petit bassin en fait. On va utiliser... Youp, paf, boum et splash, un petit bassin pour mettre de l'eau. Parce que... Il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste que c'est joli. Et donc du coup on va utiliser la vitre, évidemment on va remplir notre fenêtre de vitre. Paf, 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 etc, etc. Ok, une fois qu'on a ça, on va... à l'intérieur de la maison. Yep. Et on va venir hop, prendre du bloc de quartz évidemment. Et on va venir faire un trou ici comme ça bien sûr. Yep. Et on va prolonger là, comment on appelle ça, l'étage ici comme ça tout simplement à ce niveau là. Mais il va falloir se poser la question où est-ce qu'on va mettre l'escalier. Et ben oui. Un minimum. Donc du coup on peut essayer plusieurs choses. Hop, moi ce que je vous propose c'est de mettre l'escalier ici pour aller du rez-de-chaussée à ce premier étage là, faire une encoche comme ça, hop, vous voyez, et à partir de là remettre un autre escalier qui va monter au-dessus et qui va permettre d'aller à l'étage encore de dessus. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc du coup on va utiliser des escaliers en quartz, on va utiliser plutôt des escaliers smooth
parce que moi j'aime bien. Voilà. Hop, donc on va faire ça comme ça. Paf, 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 paf. Hop, hop. Alors évidemment les escaliers que j'ai mis en dessous, hein, il faut pas les mettre non plus, il faut mettre des escaliers à l'envers. Hop, comme ça. Comme ça, c'est bon. Maintenant, vous regardez, il y a un petit problème, c'est-à-dire que là, on voit vraiment des connexions de textures entre la cobblestone et le quartz. Donc, du coup, on va faire un peu la même chose qu'on avait fait tout à l'heure, à savoir, on va prendre des dalles de cobble et on va mettre une ligne ici pour faire un peu comme s'il y avait une poutre, en fait. Et donc, une fois qu'on a ça, on va venir prolonger l'escalier, hop, ici comme ça. Donc, voilà, mettons jusqu'ici et on va revenir avec des escaliers en quartz. Hop, hop. L'idée, bien sûr, c'est que on va venir mettre l'étage du dessus à 1, 2, 3, 4, 5 blocs au-dessus de ce niveau-là. Et avec les escaliers, on va atteindre ce même niveau, du coup, forcément. Donc, les escaliers, on en met 1, 2, 3, 4 et 5 blocs de hauteur d'escalier. Donc, ça, c'est bon. Et on va venir hop, jusqu'à 1, 2, 3 blocs. On va laisser 3 blocs de marche par rapport au bloc de la vitre ici. Hein. Et on va venir boucher comme ça. Hop. Et on va rejoindre de l'autre côté. On va mettre sur deux couches comme ça. Et en fait, juste ici, on va utiliser... Enfin, on va faire un trou pour une porte, en fait, tout bêtement. On va enlever ça aussi, d'ailleurs on va mettre des blocs de quartz à ce niveau là et donc ça va nous permettre d'avoir une petite terrasse à ce niveau là on va rajouter une terrasse ici, mais on va d'abord faire la cage d'escalier à l'intérieur, parce que vous voyez, j'ai intentionnellement laissé toute une partie comme un grand trou ici en fait, et à ce niveau là on va utiliser des blocs de verre blanc. Alors voilà, des blocs de verre blanc. Youp. Alors du coup, on va s'aligner avec le bord. Hop, entre ici du coup. Et là, hop, hop, on va mettre toute une ligne comme ça de verre, de blocs de verre blanc qui vont monter. On va faire un véritable mur de verre comme ça, qui va servir de séparation entre les deux parties de l'escalier. Hop. Alors attends. Voilà, on peut les mettre jusque là par exemple si on veut. Hop. Ok, donc normalement j'ai pas mis de trou dedans, j'ai pas eu l'impression, je vais quand même vérifier. Non, c'est bon. Ok, donc évidemment on n'oublie pas bien sûr de mettre les escaliers à l'envers en dessous des autres escaliers qu'on avait mis, parce que ça donne vraiment quelque chose de plus sympathique. Paf, paf. Ça donne quelque chose de plus lisse, plus agréable à l'œil. C'est quand même mieux. Ce qui est quand même mieux, voilà, donc on monte ici. Normalement ici il faudrait mettre une petite barrière, mais soit vous la mettez pas parce que vous êtes des thugs, soit on rajoute quand même une petite barrière. On va utiliser des vitres ainsi que des leviers. Moi j'aime bien cette astuce que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, enfin que je connaissais depuis longtemps mais que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Hop, c'est donc de mettre une couche de barrière ici comme ça, décalée de un bloc à côté de notre bord du précipice, un peu ici comme ça, et on va mettre collé sur le côté ici comme ça des leviers, parce que les leviers en position haute comme vous pouvez le voir colle directement avec le vitre, la bord de la vitre qu'on met au-dessus, ainsi que est aligné en termes de largeur et tout, donc ça colle parfaitement bien. Et du coup c'est stylé, on a l'impression que la barrière ici est soutenue par les leviers. Ce qui est une bonne astuce je trouve. Ok, ici on va rajouter une porte, paf paf, avec des portes de type porte en bois si vous voulez. Et hop, on va les mettre depuis l'extérieur. Ok. On va directement mettre la terrasse à ce niveau-là ici. Hop, paf, boum, pif. Alors, on utilise les petits escaliers, smooth escaliers. Et on va venir ici, à partir du bord de la maison, mettre des escaliers à l'envers ici, comme ça. Pourquoi à l'envers? Eh bien, pourquoi pas. Alors, voilà, on va utiliser donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs d'escalier à l'envers sur la longueur ici. Et après, on va dans ce sens-là. Ok. Paf, 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 pouf, voilà. Paf, paf, non, 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 non. Et on continue à aller dans ce sens-là et on fait le tour de notre petite terrasse, voyez-vous. Paf, paf.
Et ma foi, voilà, ça nous fait une espèce de petit délimitement pour une terrasse sympathique. Donc on va directement mettre en place les, comme vous pouvez le voir ici, les tapis gris que l'on met par-dessus les escaliers pour pouvoir faire... voilà, on va mettre des escaliers, enfin des tapis. On va aussi utiliser du coup de la ficelle avec des tapis blancs pour pouvoir faire une espèce de parasol. Ok, parce que c'est stylé. On va aussi utiliser bien sûr des panneaux solaires et des blocs de feuilles. Ok, donc les panneaux solaires, on va les mettre en longueur à ce niveau-là, histoire de donner un petit peu de choses dans le... de mettre quelque chose sur le toit. On va faire des grandes lignes de panneaux solaires de 2 blocs de large. On va laisser 3 blocs par rapport au bord du mur, par exemple. On va faire des trucs comme ça. Donc, à 2 blocs de l'aquarium, 3 blocs de la terrasse, 3 blocs du bord du mur pour le premier. Et on va séparer environ de 2 blocs les deux grands panneaux solaires. Pourquoi pas. Hop. La petite astuce ici, évidemment, comme vous pouvez le voir sur beaucoup en fait de tutos que je fais, c'est que j'ai mis les panneaux solaires en mode nuit parce que c'est plus réaliste. Ils sont, voilà, les panneaux solaires en réalité sont plutôt noirs, plutôt foncés, donc du coup, les mettre en bleu, c'est plus réaliste. Mais c'est vrai qu'effectivement, lorsqu'ils sont en blanc, comme ça, on dirait plus des boîtes d'œufs, tu sais. Enfin, je sais que j'avais déjà dit dans une dernière vidéo, mais ça me fait toujours penser à ça. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, on va rajouter quelques blocs de feuilles, histoire de faire croire qu'il y a de la végétation, histoire de faire croire qu'on est écolo, tout ça. Donc, du coup, on va rajouter des blocs de feuilles qui pendouillent depuis le toit, ici, comme ça. Ça, ce sont des très vieilles astuces de déco, mais ça marche toujours aussi bien, donc pourquoi s'en priver ? Voilà, donc du coup, on va rajouter aussi les tapis sur les escaliers, ici, comme ça, attention. Hey, Mister Az nous rejoint sur le serveur. Hop, paf, paf. Ok, donc du coup, on en est à ce niveau-là. On va utiliser les ficelles. On va les mettre à partir de ce niveau-là, donc à 3 blocs de hauteur. Hein. On va venir les mettre sur toute la longueur du mur entre le bord de la terrasse, ici, et le bord du mur là-bas. Et on va les mettre sur les 2-3 blocs de large. Je ne sais plus combien j'avais mis sur le modèle. On était à 4 blocs, c'est ça? 5 blocs carrément, ok, d'accord. 5 blocs de longueur hein, par devant. Alors on va reprendre ici. Hop, donc on en a 1, 2, 3, 4 et 5 carrément. Allez, on les met comme ça. C'est pas des blocs faciles à voir. Hop, ça je vous apprends rien. Ah mince, alors du coup, attends, il manque un truc ici. Donc du coup, il faut bien vérifier que... Ah bah tiens, il est là, le Mister Az. Alors... Hop. Ça, c'est la galère à mettre, ces trucs-là. Alors, attends. Ok, donc apparemment, il reste une dernière couche. Et hop, ok, très bien. Vous voyez, donc on voit à peu près, lorsqu'on est au-dessus, comme ça, d'un fond blanc... On les voit à peu près. Bon, très bien. On va rajouter du coup des tapis blancs sur toute la surface ici, comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va utiliser du coup les escaliers en bois de sapin ici, par exemple. Et on va utiliser des dalles pour faire des bronzates. Voilà, des transats à bronzer. Moi, j'appelle ça des bronzates, donc voilà. Alors, du coup, on va utiliser aussi des escaliers en machin comme ça, donc comment on utilise en quartz. Et on va faire un espèce de petit truc dans le coin ici, voyez-vous. Hop. Comme ça plutôt. Hop, voilà. Et il va s'agir en réalité d'un jacuzzi carrément. Hop, donc on va mettre de l'eau. Et c'est le style. Puis voilà, donc on va rajouter une petite table aussi, hein, la table classique. Paf, 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 paf. Des barrières en bois sur lesquelles on va rajouter des plaques de pression et on va rajouter des escaliers. Ah ouais, alors attends, paf, paf. Des escaliers de chaque côté comme ça. Soit on peut les mettre comme ça, les escaliers, pourquoi pas. Soit on les met, hop, comme ça avec des escaliers comme ça. Et comme ça aussi. Donc ça nous fait un petit truc un peu différent, pourquoi pas. On peut rajouter aussi, bien sûr, de la végétation. Oh, il y a le Mister Az qui est en train de nous observer, là, ici. Oh, le mec!
Avec une canne à pêche en plus. Et un truc, il essaie de me pécho. Ah non, 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 moi je suis pas d'accord. Alors attends. On va utiliser du coup des enclumes avec... oui, parce que pourquoi pas, on est bling bling. Donc on va utiliser des enclumes avec des feuilles et on va mettre des enclumes paf ici. Paf ici parce que... Ah oui, alors du coup... Hop, paf, voilà. Paf, voilà, ok. Donc du coup, on peut rajouter aussi une enclume à côté, hop, de notre jacuzzi aussi, parce que c'est vrai que... pourquoi pas. Ça rajoute un petit peu de couleur dans notre... dans notre histoire. On va rajouter aussi des panneaux solaires encore une fois sur le toit de notre partie en cobblestone. Donc ce qu'on va faire même en réalité, c'est qu'on va venir ouvrir dans le toit. Hop. Ouais, on va faire une ouverture comme ça de 3 blocs de large dans le toit, ici comme ça. Hop. Hop, et on va venir mettre des blocs d'herbe, carrément. Paf, des blocs d'herbe sur toute la longueur du toit. Yip, paf, ok, donc du coup on va rajouter à côté de ça du coup des panneaux solaires qu'on aura mis, hop, alors ben ici, ok très bien. Qu'on va mettre ici comme ça par exemple, hein, deux panneaux solaires, on va laisser un bloc, enfin deux blocs par rapport au bord du toit par exemple. Est-ce qu'ils sont d'égale distance? Alors ils sont 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc on va enlever un bloc ici comme ça. Ok. Une fois qu'on est là, ben, on va pouvoir ajouter quelques fleurs quand même. Genre des trucs comme ça. Et puis le reste, on va utiliser de la bonne mille, de la poudre d'os. Ok, par exemple, hein. Hop. Ouais, moi je suis pas fan des doubles. Hop. Des doubles herbes comme ça. Donc du coup, je préfère avoir une herbe courte sur le dessus des toits. Mais vous faites comme vous voulez, bien sûr. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir. Ah oui, déjà, il faut pas oublier que depuis l'intérieur de la maison, on voit la terre vue d'en dessous. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à l'intérieur de la maison et on va camoufler ça avec des dalles de pierre. Des dalles de cobblestone, plus exactement. Hop, on monte au plafond et on va rajouter toute une couche de dalles en cobblestone sur toute la surface collée au plafond. Comme ça, vu de l'intérieur de la maison, on n'y verra que du feu. Et puis, bah et puis voilà, non, c'est tout. Faudra pas oublier par contre... la terrasse au rez-de-chaussée. Ok, donc vous voyez, hein, vu de l'intérieur, on s'en douterait pas qu'il y a une couche de dalle. Ça s'appelle le talent, qu'est-ce que tu veux. Hop, alors, paf, paf, paf et paf. Alors, donc voilà, on arrive sur le lieu du crime, à savoir que c'est ici qu'on va devoir mettre une terrasse. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va utiliser des... hop... des blocs de bois, des dalles, ainsi que des tables en pierre. Alors ça, je me suis pas particulièrement... hop, je suis pas parti bien loin pour les chercher, cela, dis donc. Allez, on va utiliser du coup, hop, les morceaux en bois comme ça qu'on va venir mettre un peu en coin. Voyez-vous, les dalles comme ça, hop, en face. On va laisser 1, 2, 3 blocs. Hop, vous voyez où. On va même laisser 4 blocs. Vous voyez. Voilà. Hop. Ok, voyez-vous l'idée. Et donc, on va mettre des tables comme ça. Ouais, deux tables, pourquoi pas. Parce que j'ai envie. J'ai envie de changer. Donc, on va aussi utiliser... les end rods, les barres de laine du coup, que l'on va venir mettre au-dessus comme ça. Mettons comme ça, est-ce que c'est centré? Pas vraiment. Ouais, là ça a l'air centré. Et on va venir mettre du coup des trappes en fer en dessous, des barres de laine comme ça, pour pouvoir faire une espèce de lustre.
Et puis voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié de faire ce côté ici de la construction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du coup des blocs de cobblestone et ainsi que des dalles de cobblestone. On va utiliser les blocs de cobblestone pour faire des espèces de balcons comme ça sur le côté de la maison. On va venir utiliser les dalles en dessous, hop, pour camoufler la terre que l'on va mettre du coup ici au-dessus, donc en bloc d'herbe. On va venir faire un deuxième balcon, hop, à peu près combien de blocs au-dessus. On va mettre le premier balcon déjà à 1, 2, 3, 4 blocs, ok, du sol, et le deuxième au-dessus. Donc à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blocs du sol, ok? Comme ça au moins vous aurez des longueurs, il y en a toujours qui demandent. Hop, évidemment, dans les commentaires. Alors attends, du coup on va rajouter ça au-dessus, en dessous. Comme ça, ok? Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. On rajoute de l'herbe évidemment à l'intérieur. Et on va utiliser du coup des barrières. Des barrières en bois comme ça, ok, paf, des barrières en herbe, donc c'est des feuilles d'ailleurs, c'est pas du tout des barrières, et on va mettre du coup des espèces d'arbres qui vont venir se coller un peu à la paroi de la maison. Ici comme ça, on met des barrières, genre 5, une par-dessus les autres. On utilise des feuilles et on va les mettre par-dessus comme ça. Hop. Voilà, d'autres barrières comme ça, et puis imaginons une autre barrière. Ça fait un peu bizarre. Voilà, pourquoi pas. Ça peut faire un joli arbre, taillé bien sûr, mais pourquoi pas. Et puis sur la deuxième partie, ici, on peut mettre juste une petite barrière comme ça avec deux feuilles. On rajoute quelques fleurs, un peu les mêmes qu'on avait utilisées tout à l'heure, histoire de garder une sorte de cohérence dans la construction. On va utiliser de la bonne mille, de la poudre d'os du coup, pour faire pousser de l'herbe sur le reste. Hop, alors attends. Ah oui, non, d'accord, ok. Donc il reste pas beaucoup de place, mais bon quand même. Et puis... voilà, il me semble que l'on a fini la maison. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose dans les commentaires. Je me ferai... ah oui, non, si, pardon. On va rajouter un petit truc assez stylé aussi, je trouve. On va utiliser les dalles... non, pas du tout. Les trappes. Les trappes de bois. On va les mettre comme ça à partir du milieu à peu près de cette partie-là. Et on va venir les mettre alignées comme ça. Sur le long du mur ainsi que sur une partie de la vitre comme ça ici, vous voyez, donc des trappes sur la longueur, et on va venir en mettre au dessus aussi, hop, et au dessus comme ça, ok, limite même un bloc de plus. Donc voilà, pour ceux qui veulent des dimensions, à partir du bord du mur ici comme ça, on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, cette part là. Et 1, 2, 3, 4 sur la partie en vitre. Voilà. Et sur ce, je pense qu'on a terminé véritablement cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quel prix vous donneriez à cette maison-là, par exemple, si vous devriez l'acheter en vrai. Pourquoi pas. Et sur ce, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre pendant les lives que je fais très régulièrement sur la chaîne YouTube. Et aller voir les autres constructions que je fais... en tutoriel, par exemple, hop, j'ai fait ces derniers jours des constructions, des tutoriels pour construire cette petite maison là, ou alors cette grande maison ici avec des PNJ qui, je sais pas pourquoi ils sont là. Donc voilà, par exemple, hein, hop. Donc ça, ce sont des tutoriels qu'il y a sur la chaîne aussi. Bon, ça c'est pas un tutoriel sur la chaîne, mais parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Et l'un des prochains tutoriels qui ne sont pas encore arrivés sur la chaîne YouTube, ça sera cette maison-là, donc en plot rond sur Minecraft. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si jamais vous avez envie de voir ça de plus près. Sur ce, moi je vous laisse véritablement ici. Vous savez quoi, on va aller juste embêter Mr. Az, juste parce que pourquoi pas. Hop, voir ce qu'il est en train de fabriquer.
D'accord, il est AFK, très bien. Bon bah sur ce, ah bah non, il est pas AFK du tout. Salut à toi Mister Az et bah bonjour YouTube de ta part. Bonjour à ta part de YouTube. Bah bref, je sais plus ce que j'étais en train de raconter. Bon matelot et à la prochaine.